Les aventures que vous vous apprêtez à suivre n'ont pas été les premières vécues par nos aventuriers. Avant de revenir dans la cité d'eau profonde, Randall Brockenbridge, Brock de l'espèce Barine et le Révérend ont vécu une aventure épique. Cette aventure a commencé à Verdure, un petit village caravanier au nord des Arpents Verts. Autrefois refuge réputé des commerçants, ce relais est en proie aux flammes et à la désolation lorsque le groupe y parvient. En effet, un groupe de nombreux humanoïdes et de kobolds pille la ville, tandis que rien de moins qu'un dragon bleu vole paresseusement au-dessus des habitations, les carbonisant de ci et de là. Après avoir trouvé refuge dans le château, laissé indemne par les assaillants, Randall, Brock et le Révérend décident de prêter main forte aux locaux, en sécurisant certains points clés et en interrogeant certains bandits. Ceux-ci font partie du culte du dragon, et ne sont visiblement intéressés que par les richesses, de n'importe quelle sorte. Le lendemain matin, une fois les pierres parties, il est suggéré aux héros d'aller remonter leurs pistes, pour d'une part obtenir plus d'informations, et d'autre part s'enquérir d'un certain Léosine Erlantar, fait prisonnier la veille. Les traces conduisent effectivement à un campement titanesque et très bien organisé. Mais après une nuit de pillage sans foi et une demi-journée de marche les bras et le dos chargés de trésors, les cultistes exténués ne semblent pas très regardants sur la surveillance. C'est une chance pour le groupe qui en profite pour investiguer autant que possible, apprenant qu'effectivement le culte du dragon ne semble saisir que les richesses de toutes sortes dans la région, les entassant ici, dans des grottes. Quelque part, en bordure du camp, nos aventuriers découvrent Léosine Erlantar, enchaînée à un poteau et visiblement battue. L'alphelin est faible, mais leur apprend néanmoins qu'il est un agent des Ménestrel, le légendaire réseau quasi-clandestin visant à destituer et éliminer les puissances néfastes. Suivant de près les exactions du culte du dragon, Léosine a profité de leur attaque sur Verdure pour s'infiltrer. Il leur apprend que Resmir, la chef demi-dragonne de ce campement-ci, va faire partir le trésor au sein d'un convoi, mais impossible à cette heure de savoir vers où. Léosine souhaite rester infiltrée dans l'organisation et tenter de leur faire parvenir des informations. Pour lui, la marche à suivre est très simple, rester jusqu'au départ du convoi, voir ce que les cultistes laissent derrière eux, puis se hâter d'aller à El Turel pour retrouver Ontar Froom, le dirigeant du tout nouvel ordre du Gantelet. L'homme est au courant des agissements du culte et un grand ami du Ménestrel. Il leur apportera son soutien en vue de comprendre et déjouer les plans du culte. Après 3 jours d'attente, le campement est démonté, le butin chargé dans des chariots construits sur place et tout le monde vide les lieux. En explorant les fameuses cavernes, le trio se rend compte qu'elles ne sont pas si vides que ça. Il reste encore quelques dignitaires du culte, accompagnés de cultistes et de kobolds. Après plusieurs combats acharnés, le silence investit pleinement les grottes, laissant place à plusieurs scènes pour le moins dérangeantes. En effet, un autel dédié à Tiamat, la déesse du mal des dragons, orne le centre des souterrains. La dragonne aux 5 têtes est dépeinte en train d'émerger d'un volcan en éruption, libérant des flammes infernales sur le monde. Plus loin sont découverts 3 œufs de dragon, encore en incubation. Après quelques hésitations, Randall, Brock et le Révérend décident de les détruire, afin de ne pas donner plus d'armes au culte, dont les intentions semblent tout sauf bonnes. Enfin, dans le bureau de Frulam, l'une des hautes dignitaires du culte local, Randall découvre une carte, montrant que le convoi se dirige vers la porte de Baldur en passant par Beregost. Après cet épisode éprouvant, le groupe scelle des chevaux à Verdure et met le cap vers El Turel pour y retrouver Ontar Froom. Le paladin de Torm leur apprend être effectivement au courant des mouvements du culte, bien qu'il ne suspecte nullement une entreprise de cette taille. D'après lui, leur meilleure chance de prendre un avantage sur le culte est de découvrir ce qu'il trame et d'infiltrer le convoi, ou du moins de le suivre. Le paladin fait affréter un navire qui conduira ses nouveaux compagnons à Baldur, par la rivière Kiontar. Là-bas, l'attente de l'arrivée du convoi, longue et pesante, permet d'organiser la suite du voyage et de prendre un peu de bon temps avant ce qui s'annonce être une longue période très risquée. Les 3 compagnons réussissent à se faire embaucher en tant que garde pour le convoi lui-même, qui prend la route peu de temps après son arrivée pour Eau Profonde, la cité des splendeurs. Pendant 40 jours, le groupe va tenter de se fondre dans la masse des cultistes, sachant pertinemment ce qu'ils transportent mais ne sachant toujours pas quelle est leur destination finale. Des réponses commencent à montrer le bout de leur nez au-delà de la cité des splendeurs, à laquelle le convoi fait une halte avant de rejoindre les chantiers de rénovation de la route commerciale menant à Pas d'Hiver.
Ces réponses prennent la forme de caisses de butin, stockées séparément des autres dans le local fermé d'un caravane-sérail. Ces caisses s'avèrent être charriées par un tunnel de contrebande, menant au cœur du Marais des Morts, une vaste étendue putride et nauséabonde. En suivant une piste faite de totems et d'encoches dans les arbres, les infiltrés parviennent à un camp de fortune, où ils rencontrent un certain Snapjaw. L'homme lézard leur explique que le culte du dragon a investi un château dans le marais, le château Nairitar. Le reptile raconte que sa tribu sert de main-d'œuvre, acheminant les caisses de trésors au château avant que celles-ci ne soient encore une fois expédiées ailleurs. Les hommes lézards sont contrôlés par deux choses, la violence des brutassiens servant de milice armée et la promesse de rencontrer un réel dragon noir, résidant dans le marais, qualifié de divinité vivante par la tribu. Snapjaw explique que le traitement infligé à son peuple est intolérable, et que nombreux sont les hommes lézards prêts à porter les armes contre le culte. Le révérend Randall et Brock voient ici une occasion inespérée de porter un premier coup au culte du dragon, et commencent à monter la révolte des hommes lézards contre les occupants du château Nairitar. Quelque temps plus tard, c'est Snapjaw lui-même qui mènera son peuple à l'assaut du château pendant que les aventuriers tentent de saisir le plus de dignitaires possible. Les combats sont affreusement violents, mais en faveur des rebelles, qui gagnent du terrain assez rapidement. Pendant que leurs alliés se battent contre les brutassiens, les trois héros réussissent à tuer un magicien rouge de thé, un certain Asbara Jaws, ainsi que la gestionnaire du château, Dralmorir Bondgrey. Resmir, présente sur les lieux, parvient à fuir au travers d'un portail situé dans les souterrains du château. Après avoir fait leurs adieux, le trio emprunte le portail, adulé et salué par leurs nouveaux alliés écailleux. Celui-ci les conduit loin à l'est, dans les montagnes des Piques Gris, au pied d'une ancienne loge de chasse. Ne voyant pas trace de Resmir, il décide d'explorer le bâtiment lui-même. Parmi les salles richement décorées, une certaine Talis se présente comme désireuse de les aider. Récemment destituée et remplacée au sein des hautes sphères du culte, l'humaine ambitieuse souhaite les aider à semer le chaos dans les opérations du culte. Ainsi, elle pourra rejeter la faute sur quelqu'un d'autre et en tirer profit. Ce plan louche et surprenant est consolidé par quelques informations. Tout le butin amassé dans la région par le culte est entreposé dans la citadelle de Porte-Ciel. Une forteresse volante érigée il y a des éons par les géants des nuages. Talis s'engage à leur donner un moyen de rentrer dans la forteresse de manière sécurisée. Enfin, le magot est gardé par un dragon blanc adulte, Glazel le chasse-nuage, un fidèle serviteur de Tiamat et du culte. Acceptant avec un certain dégoût le marché, les trois compagnons se rendent à Parnast, là où la citadelle est arrimée. Ils parviennent effectivement à y pénétrer sans encombre grâce au mot de passe donné par Talis. Une fois à l'intérieur, les choses se compliquent. Ne sachant toujours pas vraiment pourquoi autant de butin est entassé ici, ils décident d'enquêter un peu, le plus discrètement possible. Dans la citadelle se trouvent de nombreuses personnes, des cultistes, des ogres, des géants de pierre, des kobolds, des dignitaires. En questionnant tout ce monde-là, une information cruciale ressort. Le trésor est là pour apaiser Tiamat lors de son retour en Férune. Le culte est donc en train de préparer un rituel démesuré pour extraire la reine dragonne de la prison d'Averne dans laquelle elle est actuellement enfermée. Les choses s'accélèrent ensuite lorsque les aventuriers rencontrent un autre mage rouge de Tay, Rathmodar. Installé dans un laboratoire confortable, le Tayien prend la fuite immédiatement lorsqu'il se sait compromis. Dans cette pièce est découvert un livre, par-delà les portes de fer, décrivant un rituel titanesque, impliquant de nombreux lanceurs de sorts et de nombreux sacrifices, permettant de ramener une entité d'un autre plan dans le monde actuel. Les informations sont donc justes, le culte vise bel et bien le retour de Tiamat, la déesse du mal. Plus loin, c'est Resmir elle-même qui les attend. Dans un combat âpre et violent, le trio réussit à la défaire, mais non sans mal. L'une des têtes du culte est coupée, il ne reste maintenant plus qu'à savoir quoi faire du magot, et surtout du dragon qui le garde. Pour régler ces derniers problèmes, c'est le maître de la citadelle lui-même qui répond présent. Le géant Blackotcus explique au groupe qu'il joue un pseudo double jeu avec le culte. Concerné par le déclin de son peuple, le géant s'est mis en tête qu'une bonne guerre pourrait remettre tout ça d'aplomb et redonner de l'énergie à des géants trop mollassons, d'après lui. Que la guerre soit menée contre des dragons ou des cultistes l'importe peu. Il a rejoint les rangs du culte du dragon d'abord pour gagner un peu de temps et de tranquillité, le temps de monter sa propre petite armée personnelle dans l'épine dorsale du monde.
Après une longue conversation, Black Hotcus accepte de trahir le culte, disant que n'importe quelle bataille leur ferait du bien après tout, et que les dragons, bon, viendront plus tard. Accompagné de ses amis géants de pierre, Black Hotcus et les trois mortels descendent d'un pas lourd en direction du caveau, là où le dernier défenseur du culte se terre, Glazael, le chasse-nuage. Le magnifique dragon blanc se montre très arrogant et hautain, et engage très vite le combat avec le groupe. Jouant de griffes, de dents, de souffles de glace, le saurien ne compte pas laisser une seule pièce du butin à ses adversaires. Mais c'était sans compter la détermination du groupe et la rage des géants. Après avoir pris plusieurs coups qui auraient dû tuer n'importe quel autre être vivant, le dragon tente de prendre la fuite. Mais il est rapidement rattrapé dans les tunnels étroits sous la citadelle, et abattu sur place par ses opposants. Désormais seul maître de la citadelle, Black Hotcus remercie ses nouveaux alliés et leur donne des wyvernes domptées, afin qu'ils puissent regagner au profond sur les conseils d'Ontar. Et c'est ici que leurs aventures s'arrêtent. Pour le moment.